News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire. Le président du conseil de la région du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tenebiraïma Ouattara, dans la région du Tchologo pour identifier les priorités. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le conseil régional du Tchologo s'est tenu le samedi 9 avril 2022 au centre polyvalent de Ouangolo-Dougou. Au cours de la deuxième session du conseil régional de l'année 2022, au centre de préoccupation, le développement de la région. Les conseillers régionaux ont fait le point des projets en cours, les besoins dans les différents secteurs ainsi que les urgences. Le président du conseil régional du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Tenebiraïma Ouattara et ses conseillers régionaux affichent leur détermination à lutter contre la précarité sous toutes ses formes dans la région du Tchologo. Lors de cette rencontre, l'administration en a profité pour prendre la parole et faire le point de la situation. Nous avons 68 ambulances pour 69 centres de santé. Nous avons un projet innovant de formation des ambulanciers qui sera initié par le conseil régional. Je crois que très bientôt, la pose de la première pierre de certains hôpitaux va se faire par le ministère de la Santé. Le premier temps fort du Conseil était la modification du budget qui passe de 2 milliards de francs CFA à un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Les collèges, les écoles primaires, les centres de santé, les châteaux d'eau, des pompes hydrauliques, le reprofilage de certaines routes, équipements et matériel de bureau. Le président du conseil régional, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tenebiraïma Ouattara, veut aller vite et bien vite. Le pilier de notre politique de développement repose essentiellement sur le triptyque planification, concertation, exécution, ce qui nous permet, en bout de chaîne, de répartir équitablement nos projets de développement dans les trois départements de la région, à savoir Ferkesse-Dougou, Ouangolo-Dougou et Kongo. Mettre l'accent sur les retenues d'eau afin de promouvoir et aider nos parents et nos mamans qui exercent dans le secteur de l'élevage et du maraîcher. Ce budget modificatif, issu du primitif, s'élève en fonctionnement à la somme de 954 millions de francs CFA et de 7 863 540 000 francs CFA en recettes d'investissement. Sa modification a été modifiée par la prise en compte de l'excédent budgétaire de l'exercice 2021 en fonctionnement d'un montant de 25 372 000 francs CFA et un investissement d'un montant de 3 777 840 000 francs CFA. Du report de crédit, de la prise en compte de la dotation spéciale d'un montant de 3 milliards de francs CFA, dont 100 millions de francs CFA en fonctionnement et 2 milliards 900 millions de francs CFA en investissement. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV. Apporter un cadre de vie meilleur aux populations du Cameroun à travers un projet de construction des logements sociaux, tel est l'objectif poursuivi par l'ambassadeur d'Italie au Cameroun lors de sa récente visite au pays. Reçu en audience le 31 mars dernier par le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux, son Excellence Filippo Del Burgo a dit au ministre que la volonté du gouvernement d'Italie a contribué au développement socio-économique du Cameroun à travers la construction des logements sociaux et bien d'autres. On a eu des conversations extrêmement intéressantes, extrêmement amicales sur des projets de construction d'immeubles, de logements sociaux qui vont permettre dans une période pas très lointaine de donner à beaucoup de personnes qui vivent au Cameroun des logements
très, très jolie, avec des qualités de vie très, très bonnes. Des projets qui pourront certainement, dans une certaine mesure, conforter le gouvernement camerounais dans sa stratégie nationale de développement. Le Cameroun et l'Italie entretiennent depuis 1962 des relations de coopération très dynamiques. La visite de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun vient davantage renforcer les liens d'amitié qui lient les deux pays. À son arrivée à l'Académie de formation des armées, le chef d'état-major général des armées, le général de division, M. Lassina Doumbia, a reçu les honneurs militaires des élèves officiers de la promotion à Madungan Koulibaly. Ensuite, cap sur la zone d'instruction opérationnelle multiple située à 2 km. Ce centre comprend un village de combat pour l'entraînement et la formation, un bivouac opérationnel avancé pour parfaire le savoir-faire des troupes, un champ de tir avec toutes les normes de sécurité. Sans incident sur les riverains, des pistes de combat ainsi que le cross, soit une piste opérationnelle multimodulaire. Ce camp nous permettra d'entraîner nos hommes à des exercices pratiques. Mais surtout, la plus-value que nous en tirons, c'est l'économie du point de vue logistique. Ce camp se situe à proximité de l'Académie des Forces Armées. Évidemment, nous réalisons des économies sur les moyens de mobilité, sur les moyens de carburant, parce qu'il y a quelque temps, nous étions obligés, ne serait-ce que pour effectuer des tirs, parcourir au moins une trentaine de kilomètres. Aujourd'hui, leur champ de tir est à 5 minutes. Ce camp militaire opérationnel multimodulaire est le fruit de la coopération entre l'état-major général des armées et la direction de coopération de sécurité et de défense de la République française. Merci à l'attaché de défense pour avoir permis la réalisation de cette zone qui va forcément avoir un impact positif sur la formation de nos hommes qui sera nécessairement une plus-value dans la montée en puissance de notre armée, dans l'adaptation de notre armée face à la nouvelle menace asymétrique. Vous verrez par exemple que ici, ils auraient un parcours d'IED, des engins explosifs improvisés, ce que nous n'avions pas auparavant. Donc déjà, la formation de base, nos hommes apprendront à contrôler ce type de menace. La zone d'instruction opérationnelle multimodulaire s'étend sur 100 hectares. On y trouve l'Académie de formation des armées, l'ex-école militaire de Zambakro. Le Falcon présidentiel transportant en son bord le chef de l'État rwandais, son Excellence Paul Kagame, a frôlé le tarmac de l'aéroport international Mayamaya de Brazzaville à 10h30 précise. Sur invitation de son homologue congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, son Excellence Paul Kagame entame ce lundi 11 avril 2022 une visite de travail de 3 jours au Congo. Au bas de la passerelle, une chaleureuse accolade entre les deux chefs d'État, ce qui exprime l'amitié profonde qui lie les deux hommes et en particulier la qualité importante des relations de coopération entre les deux pays. Après les honneurs militaires, l'exécution des hymnes nationaux des deux pays ainsi que la salve des 21 coups de canon, il s'en est suivi la présentation des corps constitués au premier rang, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale du Congo, suivi du premier ministre et son gouvernement, puis le corps diplomatique accrédité au Congo. Pour finir, le haut commandement de la force publique. Le président de la République du Rwanda est à sa deuxième visite d'État au Congo après celle du 14 au 15 novembre 2010. Une visite marquée par le défilé militaire des troupes d'honneur et celle de la garnison de Brazzaville, tout ce aussi sous le son de la musique principale de l'armée congolaise. Après la parade militaire, les deux chefs d'État ont eu un bref tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international Mayamaya. La visite d'État de son Excellence Paul Kagame sera marquée par son adresse au Parlement réuni en congrès, la signature d'une dizaine d'accords de coopération, la visite des unités de production et agro-pastorale à Oyo. Pour rappel, le Congo et le Rwanda ont établi leurs relations diplomatiques depuis le 17 août 1982 et depuis 40 ans, ces relations sont restées excellentes.
Lutter contre l'occupation anarchique des trottoirs et des espaces publics dans la capitale politique du Cameroun, tel est le maître mot du super maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana. Quelques mois après avoir fait construire le marché d'Angola pour recaser les commerçants et vendeurs ambulants occupant l'espace public, le maire de la ville aux sept collines a effectué ce mercredi 6 avril 2022 une descente dans le dit marché, question de s'assurer de l'occupation effective de cet espace marchand moderne par les commerçants. Le constat est clair, quelques commerçants seulement sont dans leurs boutiques et comptoirs. Ceux-ci exultent de joie au passage du maire de la ville. La visite de monsieur le maire dans notre marché Angola. C'était vraiment un plaisir de savoir que le maire a pris connaissance du marché et c'était vraiment, nous étions en joie de le voir en visite ici. Et pour les doléances, nous voulons que le marché lance complètement et définitivement. Donc pour cela, on doit faire la publicité et fermer, je me dis peut-être, les gens qui sont au niveau de l'avenue pour que le marché monte au niveau de Angola. Parce que c'est ici que ça doit se faire. Pour l'emplacement, ça va. Et les parkings sont disponibles pour les clients. Donc chacun trouve son compte. Et il y a toutes les activités. D'autres commerçants, par contre, préfèrent aller écouler leurs marchandises ailleurs pour des raisons de manque de clientèle dans ce nouveau marché d'Angola. Le nouveau marché d'Angola ne tourne pas parce que les préoccupants qui ont pris les boutiques n'ont pas encore ouvert. Et ceux qu'on devait les orienter pour le nouveau. Ceux qu'on devait les orienter de l'avenue Kennedy pour le nouveau hangar ne sont pas là. Et nous, qui avons pris les boutiques, on ne parvient pas à réaliser nos ventes. Et sachant que c'est pour un début, que le marché n'est pas vraiment ouvert et que c'est à long terme qu'on va faire vraiment le chiffre. Donc pour nos doléances vers le maire, vers le super maire, qui s'y peut aller vraiment alerter ceux qui ont pris les boutiques d'ouvrir. C'est nos doléances ce matin. Et nous donnons aussi la possibilité qu'on puisse vraiment installer les marchandises qu'on expose les marchandises et qu'on voit les marchandises. Parce que nous, on nous donne un mètre, je ne sais pas, deux carreaux d'installer les marchandises. Et pour au niveau des parkings aussi. Nous, on ne sait pas si les parkings, c'est pour les clients ou bien ceux du marché central qui viennent garer pour aller au marché central. Au niveau du déchargement, on aimerait aussi avoir un parking pour nous qui avions les boutiques. Si c'est payant, on vient vers nous, n'hésitez pas que ce soit payant, on va le faire. Après ce constat, le maire de la cité capitale, Luc Messia Tangana, s'est rendu au marché central de Yaoundé et à l'avenue Kennedy afin de sensibiliser et d'inviter pour une énième fois ces vendeurs et commerçants ambulants qui occupent les trottoirs et autres espaces publics à aller s'installer au marché moderne d'Angola. La descente d'aujourd'hui est que nous avons ouvert, mis à la disposition des populations, le marché Angola depuis quelques mois. Il était donc normal que je descende ce matin pour voir comment les commerçants installés dans ce marché évoluent. Mais avant cette descente, j'ai eu à leur envoyer un message depuis il y a de cela un mois, demandant à tous les attributaires des boutiques dans cet espace, tout comme tous les bénéficiaires d'espace dans la zone réservée aux marchands ambulants qu'on a déplacés de la zone de l'avenue Kennedy. Je leur ai demandé d'occuper chacun son espace avant le 31 mars. Le 31 mars est passé il y a quelques jours. Je suis donc descendu pour voir comment ils sont installés. Au niveau du marché Mfundi, presque la totalité des boutiques est déjà occupée et fonctionnelle. Les quelques retardataires au niveau des boutiques sont présents et sont en train de les aménager chacun à sa convenance parce qu'il y a pour certaines boutiques un espace réservé à la mezzanine. Mais j'ai constaté au niveau des hangars que beaucoup d'espaces sont encore vides et les commerçants qui y étaient installés ont aussi exprimé leur gêne de voir que leurs anciens camarades de l'avenue Kennedy, beaucoup ne les rejoignent pas encore. Le maire invite donc les commerçants à appliquer les mesures de la communauté urbaine de Yaoundé en libérant les trottoirs et en s'installant au marché d'Angola.
Le chef de l'État rwandais, son Excellence Paul Kagame, est arrivé au Palais des Congrès de Brazzaville en début de soirée, accueilli par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isidore Mvuba, réuni en congrès à l'occasion de sa visite d'État au Congo. Son Excellence Paul Kagame a inscrit dans son agenda l'adresse devant le Parlement congolais réuni en congrès. L'honorable Pierre Obambi, premier secrétaire de l'Assemblée nationale, est le premier à prendre la parole. S'en est suivi l'intervention du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isidore Mvuba, qui, tout en souhaitant la bienvenue à l'illustre personnalité, a salué le pragmatisme et l'efficacité de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Vous êtes l'exemple vivant d'un homme d'État pragmatique, efficace et dynamique, qui, chaque jour qui passe, porte la contradiction par les actes et les actions concrètes aux afro-pessimistes qui vouent indûment l'Afrique aux gémonies. À cet instant, vous rejoignez le président Denis Sassou Nguesso au panthéon des chefs d'État africains inspirés et visionnaires qui baptisent pierre après pierre les pays d'Afrique qui gagnent. Lors de son adresse devant le Parlement congolais, le discours du chef de l'État rwandais, son Excellence Paul Kagame, a été centré sur la sécurité, l'intégration sous-régionale ou encore l'unité africaine. Il a affirmé que 5000 troupes rwandaises étaient stationnées sur le continent, en Centrafrique et au Soudan du Sud notamment, où elles interviennent dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Le mardi 12 avril 2022 à Libreville, le premier ministre de la République gabonaise, Madame Rose Christiane Osukaraponda, a présidé le premier conseil interministériel post-Covid-19. Les membres du gouvernement ont répondu présents face à l'urgence des défis auxquels fait face le Gabon après la levée des mesures barrières imposées par la pandémie à coronavirus qui a duré un peu plus de 2 ans. Le premier ministre, Madame Rose Christiane Osukaraponda et son équipe gouvernementale se sont penchés sur le plan de relance de la vaccination contre la Covid-19, instruit par le chef de l'État, son Excellence, Ali Bongo Ondimba, dans le Grand Libreville, avec l'engagement de la société civile, avec pour objectif de réduire le taux de mortalité et de morbidité de la Covid-19 par la vaccination de 50% de la population ainsi que de 90% de la population éligible. Le Premier ministre chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osukaraponda, a interpellé les ministres concernés par la hausse du taux d'inflation au Gabon due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie à ne ménager aucun effort afin qu'il n'ait pas d'impact majeur sur l'économie nationale ainsi que sur le pouvoir d'achat des Gabonais et Gabonaises. Le gouvernement, sur instruction du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, assure le suivi des mécanismes mis en place pour maintenir le prix du carburant à la pompe, du pain ainsi que d'autres produits de consommation de première nécessité. Sur le plan d'accélération de la transformation, l'État va investir 100 milliards de francs CFA entre 2022 et 2026 afin que tous les foyers au Gabon aient de l'eau et de l'électricité en permanence. La mise sur pied d'une usine de traitement d'eau dans la ville de Ntoum, dans la région de l'Estuaire, à 38 km de la capitale. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osukaraponda, l'ajustement des priorités économiques et sociales, le contrôle de la dépense publique, la diversification de l'économie ainsi que la création des nouvelles sources de croissance dans un contexte de bonne gouvernance reste son cheval de bataille. Les travaux de la première session de l'année législative 2022 se sont achevés ce samedi à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. À l'occasion, 8 projets de loi ont été examinés, adoptés par les élus. En outre, 2 séances de questions orales se sont tenues. Le réseau des parlementaires contre la malnutrition s'est également exprimé à travers une journée de sensibilisation sur la mise en place prochaine d'une alliance des parlementaires du Cameroun sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Présidée par le très honorable Kavaye Guédibril, cette cérémonie de clôture se tient dans un contexte où les ménages camerounais, tout comme dans d'autres pays, connaissent une inflation sur le marché national. Dans son discours des circonstances, le patron de la Chambre basse a évoqué les causes de cette crise. Mesdames et messieurs, au moment où le rideau tombe sur nos travaux, les ménages camerounais, comme dans d'autres pays,
font face à un drone sur la sécurité alimentaire nutritionnelle. Les députés à l'Assemblée nationale, par ma voix, exhortent le gouvernement à prendre toutes les mesures utiles afin de rendre disponibles et accessoires les produits de grande consommation, surtout au juste prix. Avant d'adresser ses vœux au seigneur de la craie, le président de l'Assemblée nationale a tout d'abord salué l'accalmie qui règne actuellement au sein du milieu des enseignants. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer l'accalmie observée dans le milieu des enseignants. Je souhaite que les dirigeants de ce secteur mettent en œuvre afin de rattraper le temps perdu. C'est d'autant plus que la fin de l'année scolaire porte à l'horizon. Un discours très apprécié par les députés. Je peux dire que tout s'est très bien passé, tout s'est bien passé dans la mesure où les projets de loi qui ont été soumis à examen ont été validés. Hein, après observation, mais aussi il y a eu beaucoup d'activités dans les réseaux des parlementaires qui traitent d'une manière générale des questions précises. Et vraiment, c'est ce que je peux vous dire là pour le moment. Mais il faut aussi relever que le Parlement n'a pas fermé les yeux sur la question relevant des enseignants, où le chef de l'État a donné des directives très fortes. Directives qui ont été suivies. Aujourd'hui, quand on rencontre ces enseignants, et ils sont très satisfaits et voilà. La présence massive des membres du gouvernement et les collaborateurs de l'Assemblée nationale démontre à suffisance leur dévouement pour le bon fonctionnement de la chambre basse du Parlement. Le Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 13 avril 2022 entre 11h et 13h au Palais de la Présidence République à Abidjan, au plateau au cœur même de la ville d'Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À l'issue de ce Conseil de ministres, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Jérôme Patrick Hachi, a fait une importante déclaration au cours de laquelle il a remercié le président de la République pour la confiance qu'il lui a accordée et il lui a présenté sa démission et celle de l'ensemble du gouvernement. Donner le meilleur de nous-mêmes pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Nous avons ainsi poursuivi la réalisation de grands chantiers initiés par nos prédécesseurs sous votre haute conduite et élaboré, selon vos instructions, un deuxième programme spécial du gouvernement en cours d'exécution, pour continuer d'améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations. Dans le même temps, nous avons poursuivi les actions de maîtrise de la COVID-19, du défi sécuritaire lié à la situation sous-régionale ou des enjeux plus récents du puissant choc externe consécutif à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce contexte d'extrême exigence internationale, qu'elle soit sous-continentale ou mondiale, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à vos côtés et de continuer ainsi d'apprendre de vous. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, en acceptant la démission de son Premier ministre, chef du gouvernement, l'a félicité, lui, ainsi que l'ensemble des membres de son gouvernement pour les résultats obtenus dans un environnement exigeant en raison de la perte brutale de ses deux prédécesseurs et d'un contexte sanitaire et sécuritaire particulièrement difficile dû à la crise sanitaire et aux menaces sur la sécurité. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter
et vous remercier pour votre engagement constant dans votre mission, pour votre attachement aux résultats ainsi que pour votre importante contribution au développement de notre pays. J'exprime également mes félicitations et mes remerciements à tous les membres du gouvernement pour votre engagement au sein de l'équipe gouvernementale depuis un an. Votre nomination est intervenue dans une période difficile pour notre pays, avec le décès de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un an après celui de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais à cet égard vous réitérer mes remerciements pour votre soutien dans ces moments difficiles. Tout au long de l'année écoulée, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de COVID-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez toutes et tous fait preuve d'engagement et de détermination dans la mise en œuvre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ainsi, grâce à une équipe gouvernementale volontaire, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d'entre vous. Je voudrais d'ores et déjà et réitérer à toutes et à tous mes remerciements pour le travail accompli. À ceux qui ne seront pas reconduits dans le nouveau gouvernement, je voudrais vous dire que vous n'avez pas démérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d'autres responsabilités. Le Conseil des ministres, en sa présente session, a adopté 9 projets de décret, mesures individuelles et 5 communications. L'une de ces mesures porte sur le projet de pôle agro-industriel dans le Nord. De pôle agro-industriel dans le Nord, de réduire la pauvreté, d'amenuiser la dépendance du pays face aux importations alimentaires, et surtout d'accroître de façon significative l'exportation des produits agricoles de rente. La décision de la mise en place d'un système permettant d'obtenir de l'eau potable grâce à de l'énergie solaire a été prise par le Conseil. Notre pays, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et surtout de la lutte contre la pauvreté, s'est résolument engagé dans des investissements dans les infrastructures socio-économiques de base, notamment en ce qui concerne la fourniture en eau potable et en électricité, donc à tous les ménages. Dans ce cadre, un projet d'installation de 1000 unités solaires a été engagé par notre pays afin de contribuer au remplacement ou à la réhabilitation des pompes manuelles défectueuses par des stations autonomes sur l'ensemble du territoire. Ces unités sont conçues pour fournir à la fois de l'eau potable et de l'éclairage grâce à l'énergie solaire.
Les membres du gouvernement sortant sont appelés à expédier les affaires courantes et ont été invités le mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro, où le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'adressera aux deux chambres du Parlement, entre autres l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire et le Sénat, réunis pour la circonstance. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.